Bonjour tout le monde, on est dimanche, il est 10h, c'est l'heure d'une nouvelle chronique, ça me paraît plutôt logique. Alors oui, j'ai changé de lunettes, parce que j'ai cassé les anciennes, à la limite on s'en fout complètement. Aujourd'hui on va parler de la direction d'acteurs. Parce que quand on fait de la fiction, c'est super important de savoir comment diriger ses acteurs pour qu'ils jouent correctement, et aussi qu'ils arrivent à restituer les intentions qu'on attend d'eux. Et ça peut être fait assez simplement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si jamais il s'avère que c'est ta première réalisation, voilà déjà les conseils que tu peux appliquer. Ce que je te conseille, c'est de prendre des notes que tu pourras utiliser le jour du tournage sur ce que tu veux. C'est des notes qui vont te permettre plus facilement d'expliquer à un acteur comment tu aimerais qu'il oriente son jeu. Si jamais à un moment tu trouves qu'il joue un petit peu mal, tu pourras t'en servir pour savoir exactement ce qu'il est censé jouer à ce moment-là dans la scène. Ça évite d'avoir à retenir tout un paquet de trucs de tête, et en plus du coup tu peux échanger l'information directement avec ton acteur via ces notes. N'hésite pas non plus au préalable à prendre des références. Par exemple, si jamais tu tournes un film d'horreur et que ton acteur n'a jamais joué dans un film d'horreur, à ce moment-là, essaie de regrouper tous les films que tu as vus dont tu vas t'inspirer pour pouvoir les envoyer à tes acteurs au préalable. De manière à ce que tu puisses leur dire « Voilà, moi j'aimerais que tu joues comme tel acteur dans tel film ». Le but, c'est pas que l'acteur fasse un copier-coller, c'est qu'il s'inspire de ce qu'il voit. Au même titre que nous, quand on fait des réalisations, on ne copie-colle pas ce qu'on a vu, mais on puise des inspirations ici et là, de manière à pouvoir réaliser notre œuvre. Invite-les à regarder ces films bien avant le tournage. Comme ça, si jamais ils ont des questions ou s'ils souhaitent apporter de légères modifications au jeu, ils pourront t'en faire part et ça évitera des quiproquos sur place. Tu peux carrément passer quelques soirées ciné avec eux si tu les connais bien et vous regardez les films ensemble pour pouvoir en discuter en live. Il faut aussi que tu sois sûr de ce que tu veux en termes de jeu. Je vais te prendre un exemple tout bête. Ton personnage doit jouer un méchant. Mais est-ce qu'il doit jouer un méchant qui est sadique? Est-ce qu'il doit jouer un méchant qui au contraire est gentil? Est-ce qu'il est un peu fou? Il peut avoir plein de traits de caractère. Et ça, si tu le dis pas à ton acteur, lui, il va interpréter le personnage tel qu'il le voit lui. Du coup, il aura sûrement un jeu qui sera bon, mais qui ne représentera pas le personnage tel que tu te l'étais imaginé à l'origine. Et ça, c'est quand même un peu con. Maintenant, si jamais t'as déjà réalisé, tu dois pouvoir commencer à faire la différence entre un acteur qui joue et un acteur qui vit ce qu'il est. On demande à un acteur de jouer un rôle, c'est un fait, mais si jamais on voit qu'il joue, à ce moment-là, on n'est plus transporté par l'histoire. Dis bien à tes acteurs qu'ils s'entraînent à vivre le moment présent. Si par exemple ton personnage doit être énervé et qu'il a tendance à être calme, essaye d'imaginer une situation dans laquelle l'acteur en lui-même pourrait être énervé. Après, s'il s'agit d'un sentiment qu'elle n'a pas forcément connu dans la vraie vie, il faut que tu essaies de trouver des analogies. Et puis aussi, il y a des petites astuces complémentaires qui s'appliquent un petit peu tout le temps. Déjà, il ne faut pas hésiter à donner un but à tes acteurs. Si jamais ton acteur se retrouve avec un personnage qui doit à tout prix gagner un match de boxe pour être champion, juste avant que vous filmiez le combat, tu peux aller lui dire à l'oreille, écoute, t'as vraiment besoin de réussir ce combat. Si jamais tu perds tout. Ta femme, ton chien, ta bagnole. D'accord, ok, nickel, je vois. Ta maison, ta piscine, tes clés. Tu vois le truc? Pense aussi à rassurer tes acteurs. Ça, c'est valable pour toute ton équipe technique, en fait. Rassurer, ça veut pas forcément dire caresser dans le sens du poil. Faut juste dire qu'on est tous amateurs et qu'on peut tous stresser de faire un travail qui est pas forcément top sur un tournage. Moi-même ça m'arrive et parfois je suis vraiment très déçu de ce que j'ai fait. Mais du coup j'oublie ça parce que mon équipe technique vient me rassurer, vient me dire que ce que j'ai fait était bien. Et du coup tu peux faire la même chose avec tes acteurs. Une fois que vous avez terminé une scène ou une séquence, tu vas le voir en disant « Écoute, franchement tu t'en es super bien sorti sur cette scène et je suis vraiment content de ce que t'as fait. » C'est pas le genre de truc qui va vous faire perdre du temps sur un tournage et c'est toujours bon pour l'ego. Par contre vraiment, si la personne elle est nulle, venez pas lui dire que ce qu'elle a fait c'est bien. Prenez un peu le temps de discuter hors caméra, essayez de la coacher pour comprendre un petit peu ce qui va pas. Avec toutes ces astuces assez simples, vous devriez facilement arriver à diriger vos acteurs sur vos prochains courts-métrages. Si vous connaissez d'autres astuces utiles, comme toujours, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner aussi. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain, 10h pétante. N'oubliez pas de créer. Ciao.